les Warriors, on est reparti encore avec Yanis Gamouri pour vous montrer une technique de MMA. Donc là, on va partir sur un petit peu de lutte. Quand quelqu'un vous apprend en double leg, vous êtes coincé dans les cordes ou dans la cage, comment faire pour s'en sortir avec un peu de percussion et une technique de lutte qui va être simple et efficace. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Ok, donc là, on est coincé. Donc là, c'est mieux, mais vous allez imaginer que vous êtes coincé contre des cordes ou alors dans une cage, quand en plus, il frappe et il vient prendre double leg. Tout de suite, il faut que, boum, je me mette sur le côté. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mes jambes sont là, je pose un peu le genou, j'écarte au maximum pour que ce soit plus difficile pour lui. Et là, tout de suite, je vais commencer un petit travail de frappe, où je vais, voilà, je vais un petit peu frapper pour, boum, je suis bien moi, hein, je ne crains pas grand chose là. Bon, là, je vais essayer de frapper, je peux frapper des coups de coude, et je vais venir rentrer ma main ici. Là. Une fois que j'ai ma main, je m'écrase, et ma jambe qui est derrière, elle vient ici. Alors, ça va dépendre de la fin, va dépendre de lui comment réagir en fait. Parce que tout le monde, et là je peux le refaire, il va pas réagir de la même manière. Donc on remonte. Tout de suite. Alors, je vais essayer vraiment de me mettre ici. Donc là je ferai un peu, je viens prendre la jambe, je viens tirer sur la jambe et passer. Voilà. Tout de suite, je mets ma jambe comme ça, je viens percuter. Donc là pour lui c'est un danger. Voilà, pour lui c'est un danger, s'il reste là, bah, je peux l'étrangler, je peux prendre son dos, je peux la ramener. Voilà. Donc lui il a intérêt à se mettre sur le dos. Moi je vais le laisser faire et je vais le suivre. Comme la dernière fois, j'ai vu là, je vais coller ma tête contre sa tête, descendre. Là, ici, peu importe. Okay, si jamais je fais ça et je vois que ça passe pas, c'est que sûrement il doit y avoir un espace ici. Donc, il doit y avoir un espace qui est peut-être mon bras n'est pas rentré au fond. Donc à ce moment-là, je vais prendre sa tête, je vais pousser pour bien rentrer ma tête. Pour bien rentrer sa tête, pardon. Une fois qu'il est bien rentré, là maintenant, l'étranglement sera vraiment plus efficace. Si vraiment je suis encore pas bien ajusté, je peux venir le mettre comme ça. Et là, on n'est pas trop mal. On frappe. Et rebelote, je sais pas pourquoi, ça marche pas, je suis mauvais, j'ai ma faille technique. Et ben je vais vite essayer de me remettre en position, position montée, golem pound, et je frappe. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ça, un petit pouce bleu, un commentaire, donc bah, laissez vos commentaires. Mettez-moi si vous avez des suggestions, des vidéos, des techniques que vous voulez que je vous montre. Rappelez-vous, le format maintenant, il est un peu court. J'essaie de faire des vidéos en moins de 5 minutes, comme ça c'est simple, efficace. Et vous pouvez remettre en boucle plusieurs fois la vidéo. Donc laissez vos commentaires. Et puis maintenant, à vous de jouer !